Salut, salut. Donc on se retrouve pour la vidéo que vous auriez dû normalement avoir mardi. Mais si vous me suivez sur Instagram, et de toute façon je vous en ai parlé dans la vidéo de mardi, j'ai eu un gros souci. J'ai supprimé tous les rushs de la vidéo avant d'enregistrer le montage. Donc ça fait que je n'avais absolument plus rien. Donc j'ai dû la recommencer, mais j'avais pas le courage de la recommencer le lendemain. Donc j'ai attendu pour la faire aujourd'hui. Sauf qu'il y aura quelques petits changements par rapport à la précédente. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est Siri qui va choisir mon make-up. Voilà, j'avais très envie de faire cette vidéo, mais avant je n'avais pas d'iPhone, n'est-ce pas? Donc j'aurais très bien pu le faire avec Google, on est d'accord, mais avec Siri c'est beaucoup plus intéressant. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors petite parenthèse capillaire, déjà j'ai les cheveux gris qui dépassent, il faut vraiment que je refasse une colo. J'ai les cheveux, donc là je les ai lissés pour essayer un peu de les rendre un peu plus... moins sec en fait, je sais pas, j'ai mon shampoing qui m'assèche totalement les cheveux et qui me fait plein de desquamations, donc j'ai plein de pellicules à force de me gratter, plus les cheveux gris, c'est un carnage capillaire en ce moment. Donc voilà, on fait abstraction des cheveux. Petit changement par rapport à la première vidéo, donc je vous montre le résultat. Voilà, merci Siri, n'est-ce pas? J'avais fait tout le make-up avec Siri, donc il avait choisi la base, le fond de teint, l'anti-cerne et tout ça. Mais c'était un peu pas très fun en fait, puisque voilà, le fond de teint, peu importe lequel il choisissait, ça changeait absolument rien. Donc là j'ai décidé de faire mon teint. J'ai également, j'ai pas mis d'highlighter, enfin si, j'ai mis le suite chez Creutzwaldt que je vous ai montré dans mon teint glowy, donc je vous la remets juste ici. Mais du coup j'ai décidé moi-même d'utiliser la palette, puisque Siri avait choisi la palette aussi. Et du coup je vais utiliser la mini James Charles, alors j'ose pas la pied en deux, ça y est c'est bon. Parce que voilà, je l'ai utilisé qu'une fois et il y a beaucoup de couleurs, donc je pense que ça peut être fun. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que la première fois, j'avais tiré au sort 5 teintes. Enfin, Siri avait choisi 5 teintes et je les avais appliquées sur ma paupière de façon un peu plus harmonieuse. Enfin, le plus harmonieux possible, si on peut dire. Là, ce que je vais faire, je vais lui demander un numéro entre 1. Mais il y a deux phares là-dedans. C'est pas marqué, donc il faut que je les compte, donc je les compterai juste après. Je vais lui demander un numéro, mais alors on va commencer par la transition, l'estompe, le coin externe, la paupière mobile, le coin interne, enfin voilà, comme ça on va s'amuser un peu plus en espérant qu'il ne sorte pas les paillettes, parce qu'il y a des fards pailletés quand même, pour estomper ou pour le creux de paupière, parce que là on va pas s'en sortir. Donc voilà pour ça, on fera les crayons, liner, rouge à lèvres aussi, mais ça on y viendra au fur et à mesure. Donc je vais mettre le volume sur mon téléphone, sinon vous n'entendrez pas Siri. Voilà, et on va commencer avec l'highlighter. Donc là je vais faire la même chose que dans la première vidéo. Je vais prendre les deux palettes d'highlighter colorées que j'ai, donc la Jeffree Star et la Révolution. On va les superposer et donc ça nous fait 14 highlighters colorés à choisir. Donc on va commencer forcément par le 1 et le 14 juste ici. Donc on va attaquer direct. Dis Siri, choisis un numéro entre 1 et 14. Un nombre aléatoire entre 1 et 14 de fond 2. 2. Donc, il me sort le glacier de Jeffree Star qui est dans les tons gris-bleu. On va appliquer ça tout fouet. Un petit pinceau highlighter de chez Sananas. Et c'est parti. Donc... celui-là, ça va encore parce que je pense qu'il ira avec tous les make-up, avec toutes les teintes de la palette après. Donc, c'est sympa. Donc, j'ai déjà appliqué ma base à paupières, que j'ai mis la essence parce que j'essaie de la terminer. Je vais juste poudrer mon arcade sourcilière. Je me rapproche et on va attaquer tout de suite le make-up des yeux. Donc, voilà, j'ai poudré mon arcade sourcilière avec le premier fard juste ici. Je prépare mon petit pinceau qui est le 231 de chez Zoeva et on va demander à Siri de choisir entre 1 et 39 la teinte de transition. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 31. 31. Donc 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, c'est ça hein. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, c'est ça. Ben ça va, il m'a choisi le petit rose tendre ici, c'est parfait. Donc on va mettre ça dans le creux de paupière, qui ne se voit presque pas.
Bon, il se voit vraiment pas beaucoup, hein. Il aurait été bien mieux pour dégrader, en fait, celui-là. Au moins, ça me permet de retester un peu la palette, parce que je l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai utilisé qu'une fois en vidéo, depuis que je l'ai. Je vous la remets dans le petit i, si vous voulez aller voir. Donc maintenant, avec un pinceau plus fluffy, je vais lui demander de choisir une teinte pour dégrader cette teinte-là. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 35. 35. Donc là, on était au 31, 32, 33, 34, 35. Mais quelle bonne idée. Il me sort le bleu foncé. Magnifique. Ouh, celui-là a l'air un peu plus pigmenté. Donc on va vraiment en prendre qu'un tout petit peu pour dégrader la teinte là. L'inverse aurait été plus joli, hein. C'est pas super doué, Siri. Ouh, c'est beau. Et ça se dégrade pas en plus super bien. Hein. Donc là, je vais reprendre la première teinte pour essayer de bien flouter et repasser en fait sur toute la couleur pour essayer de l'éclaircir un peu parce que c'est pas beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Donc là, je suis en train d'esquisser sans le vouloir une forme de cut crease. On verra ce qu'on va faire suivant la teinte qui me choisit après. Et là, je vais repasser un peu sur toute la teinte. Hein. Ce petit rose là, pas transcendant, hein. Casse pas trois pattes à canard. On le voit à peine. Donc, je vais enlever un peu de pigment sur le bleu pour repasser un petit coup dessus. Et je vais estomper avec le fard beige au maximum. Donc on va choisir maintenant la couleur du coin externe. Et on verra. Visiri. Choisis un numéro entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 23. 23. Alors, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le noir. Magnifique. Magnifique. Parce qu'apparemment, si ma mémoire est bonne, le noir est hyper, hyper pigmenté. Donc je prends le petit pinceau boule comme ça de chez Sananas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et on va donc le mettre en coin externe. Magnifique. Ah, il va aller mieux qu'il me le sorte en coin externe qu'en coin interne. On va bien, bien, bien estomper les bords. Hein. Voilà, je vais tout de suite reprendre le pinceau là pour estomper un maximum le bord. Et ils vont pas du tout se dégrader ensemble. Hein. Ça, ça craint du boudin. Oh là, ça se dégrade pas du tout. Je reprends un petit peu du rose. Avec le bleu, ça irait mieux. Mais bon. Oh, quelle horreur, ça se dégrade pas du tout. Oh là là, ça se dégrade pas, ça fait des taches. Donc on est obligé d'en rajouter, et puis on en rajoute, puis ça se dégrade pas. Bon, on dira que c'est bon, hein, parce que là j'en ai un petit peu marre. Hein. C'est 10 minutes que je parle toute seule, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc Siri a choisi le numéro 5 pour la partie de la paupière mobile du centre, qui est un bel orangé. Donc c'est ce que je disais, il se dégrade bien dans le noir, mais avec le bleu au-dessus, ça fait un peu bizarre. Quoi. Donc ça fait, avec le rose, ça fait une belle portion ici vide. Donc je pense qu'on comblera ça avec le liner pailleté en espérant qu'ils ne choisissent pas un rose pétant. Voilà, donc maintenant on va tirer au sort pour la partie interne, pas le coin interne, hein, juste la partie interne de la paupière mobile. Dis Siri, choisis un numéro entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 3. 3, oh ça va, le petit doré là. Mais alors comme la première fois, il ne choisit que au-dessus ou en dessous, mais il ne va pas dans le milieu de la palette. Ah si, il a pris le noir, autant pour moi. Autant, autant pour moi. Donc je prends ce petit pinceau là de chez Sananas et on va mettre ce magnifique doré qui, pour le coup, va très bien avec le reste du make-up. Donc là, je le mets uniquement sur la partie interne de ma paupière puisque pour le coin interne, on va refaire un tirage, bien sûr. Donc je déborde bien sur le orange aussi, tant qu'à faire. Je vais essayer au doigt parce que c'est pas... Ouais, bof. Franchement, pour l'instant, je reste encore mitigé hein, sur cette palette. Je sais pas quoi penser. Je pense qu'elle ne mérite définitivement pas le succès qu'elle a eu. Voilà, un petit peu au doigt. Avec le pinceau orange, je re-estompe un petit peu le doré. Ah bah merci monsieur de commencer à tronçonner maintenant. Maintenant, d'habitude je mets mon crayon avant de faire le ras de cils. Mais comme là,
Je vais tirer au sort les crayons, on le fera après pour pas fausser le make-up. Enfin, quoi que ça changera pas grand-chose. Donc là, on va tirer au sort pour le rat de cils. Tant qu'à faire. Dis Siri. Je suis à vous. Merci. Choisis un numéro entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 32. À chaque fois, il va dans le bas. Hein. Donc là, on est à 32, c'est le vert pétant. J'aurais peut-être pas dû tirer sur le racine en fait. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et prendre cette magnifique teinte vert néon pomme qu'on va mettre en racine. Dis monsieur, tu veux pas faire ça quand j'ai fini ma vidéo, non? Je vais remettre aussi un peu en descendant ici. Il est chiant monsieur là, avec sa tronçonneuse ou sa débroussailleuse ou je sais pas quoi là. Bon, c'est pas le tout de ça, mais maintenant faut dégrader le vert. Dis Siri. Choisis un numéro entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 26. 26. Il n'a pas sorti déjà 26, c'était pas le noir. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah non, 23, 24, 25, 26. C'est le bleu ici, lumineux. Pour dégrader, il n'y a rien de tel. Alors, je vais prendre le pinceau plat comme ça, mais long de chez Saint-Nanas pour faire ça. Après, pour dégrader le vert, ça va, mais bon, lumineux. Je suis pas sûre que ça aille. En plus, ça a bien marqué mes petites ridules et tout. Quel bonheur. On en revient un peu aux mêmes teintes que la première fois, j'ai l'impression. Magnifique. Vraiment splendide, ce truc. J'ai quand même donné un coup d'estompeur propre. Hein. En plus, ça s'estompe nulle part. Franchement, il s'estompe pas super bien, hein, ce fard. Je la retesterai quand même une fois avec un make-up normal, quoi, pour dire. Parce que là, c'est pas normal du tout ce que je suis en train de faire. Donc, on va passer au coin interne, parce que je pense qu'on est déjà pas mal avec les fards. Hein. Alors, je prends mon petit pinceau et on demande à Siri une dernière teinte. Dis, Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 39. Un nombre aléatoire entre 1 et 39 font 25. Mais tu l'as déjà dit le 25, non? Non, là c'était 23 et là 26. Donc 25, c'est celui-là. Je vais recompter pour être sûr. Hein. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouais, c'est le kaki un peu doré ici. Magnifique. On aura eu tous les teintes de la palette, quoi. Il n'y a que le mauve et le rose qu'on n'a pas eu. Ah si, rose, on en a eu le petit qui sert à rien. Hein. On n'a pas eu de mauve. Magnifique, c'est d'une splendeur, du kaki foncé en coin interne sur un make-up orange, doré, vert. Ah, ça illumine. Hein. Magnifique. On va rattraper ça avec le liner pailleté après, je pense. Hein. Magnifique, magnifique. Attendez, j'en rajoute un peu. Voilà. Donc, on peut ranger cette foutue palette. Et merci, Siri. On va maintenant passer au crayon pour la muqueuse. J'en ai pris... Alors, attendez, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai pris... ici, toi. Toutes les teintes différentes que j'ai. Il y a du mauve, il y a du bleu argent, du bleu pailleté. J'ai mis du taupe. J'ai mis un beige, un noir, bien sûr. Il y a du rose, il y a du vert, du jaune, du bleu. Enfin, voilà. Donc, je vais les tenir, si j'y arrive, à plat dans ma main. Ça va être un peu compliqué. Voilà. Et on va dire que ici, c'est le 1. Et ici, c'est le 14. Non, 12, que j'ai dit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, dis Siri. Choisis un numéro entre 1 et 12. Un nombre aléatoire entre 1 et 12 sont 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me sort le LCD de Urban Decay. Pourquoi pas? Ça peut aller avec le rat de cils. C'est un bleu vert avec des micro-paillettes vertes dedans. Il est très beau ce crayon. Donc je vais mettre ça dans ma muqueuse. Disons que c'est pas le pire du pire qu'il ait choisi. Quoi. D'ailleurs, c'est mon crayon préféré de chez Urban Decay. Donc maintenant, on va passer au liner. Donc j'ai sorti mes petits pigments pommades et le Sura Beauty
blanc. Donc ça, on va compter comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a un noir, un blanc. Enfin, le noir, c'est le seul qui pourrait aller avec celui-ci. Le reste, je ne suis pas sûre que ça aille. Donc, on est à 7. Dis, Siri. À votre service. Choisis un numéro entre 1 et 7. Un nombre aléatoire entre 1 et 7 font 2. 2. Donc, on a dit 1, 2, et c'est donc le jaune, qui est le Lemon Yellow en pigment pommade de chez Révolution Pro. Donc, je vais le liquéfier avec le Mixing Liquid, toujours de chez Révolution Pro, prendre un pinceau liner, et on va attaquer le liner classique. Voilà, on peut donc attaquer un magnifique trait de liner jaune. Je ne sais pas ce qui est le pire dans ce make-up, en fait. Et on n'a pas encore fait les lèvres. Je sais pas pourquoi le jaune, c'est celui qui se travaille le moins bien dans les pigments pommade, je trouve. Ouh, c'est pas beau. C'est affreux. Je crois que je n'aime plus Siri. Donc j'aurais pu tirer au sort juste ce truc-là pour faire liner et racine, enfin muqueuse, comment ? De la même couleur, hein, pour que ce soit un peu plus joli, mais ça aurait été beaucoup moins sympa. Voilà, on va le laisser sécher un tantinet. Que si vous fermez trop vite la paupière, ça transfère, donc faut faire super attention. Nettoyez bien votre pinceau tout de suite après aussi avant que ce soit sec, parce que sinon c'est la même merde pour enlever. Vaut mieux prendre un démaquillant biphasé. Alors, pendant ce temps-là, pendant que ça sèche, je vais préparer tous mes liners pailletés et on va faire un tirage au sort pour le liner pailleté aussi. Donc pour mes liners pailletés, j'ai préparé les 5. Alors je vais vous montrer. Les 5 de chez Focalure. Voilà, vous avez un bleu, un doré, un blanc multicolore, un mauve, un rose, et les deux de chez Kiko et un de chez Révolution. Voilà, donc ça fait 8. Je les pose, les 5 focalures, donc je vous dis dans quelle ordre ils sont, comme ça vous le savez. Il y a le parti, donc le multicolore de chez Focalure, le mauve, le rose, le bleu, le doré, ensuite on a les deux Kiko, donc d'abord le argenté et le doré vert, et pour finir le Révolution. Donc, merci Siri. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 8. Un nombre aléatoire entre 1 et 8 font 8. 8. Bon, ça va, il me sort le Révolution. C'est pas trop, trop. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre en code quiz hein, pour essayer de combler un peu le rose là, qui est fait pas beau du coup. Alors, par contre, j'aime pas du tout le lambeau de ce liner, mais on fera avec. Après, un argenté, c'était peut-être pas l'idéal non plus, mais bon, c'est Siri qui a choisi, n'est-ce pas? Et je vais également mettre en coin interne pour illuminer un peu, parce que le cookie, là, ça fait caca. Hein. L'avantage, c'est qu'avec le confinement, je ne vais pas sortir de chez moi. Le mascara, je ne vais pas faire de tirage au sort, donc je le mettrai à la fin. On va d'abord faire les lèvres. Donc là, je sors tous mes crayons à lèvres. Comme ça, vous pouvez bien voir. Alors, c'est principalement du nude, on est d'accord. Je vais mettre le pastello dans l'autre sens. Mais il y a quand même un rose mauve flashy ici et un mauve très foncé ici. D'ailleurs, c'est celui qui m'a... Non, il m'avait sorti celui-là avec le rouge à lèvres noir de chez Sephora. Mais du coup, j'ai enlevé le rouge à lèvres noir de Sephora pour ne pas retomber dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dis, Siri. Choisis le numéro entre 1 et 8. Un nombre aléatoire entre 1 et 8 font 3. 3. Et il me sort le pétale de chez Berge Cosmétique. Donc ça va, c'est un nude rosé. Alors pour l'instant, je vais juste faire le contour. Et on verra ce qui me sort après, parce que j'ai mis quand même un gloss. Bon, j'en ai mis qu'un cette fois-ci. Donc là, je vais juste faire le contour. Alors, pour les lèvres, je vais vous les montrer un à un. Et je les reposerai dans l'ordre que je vous les présente. Comme ça, on a les numéros. J'ai d'abord sorti le Fiji de chez Focalure, comme ça c'est des nouveaux et j'avais trop hâte de le tester celui-là, donc c'est le Fiji. J'ai sorti le Lamapu de chez Catrice, voilà. Le Moon, alors c'est Moonwalk hein, il me semble, ouais, ou le Moonwalk de chez NYX qui est dans les mauves un peu gris, enfin dans les gris plutôt un peu mauve. Le NYX liquide suède métal en teinte, alors je sais pas lire, je crois que c'est Ginger Babe, enfin c'est un bordeaux métallique. J'ai sorti le Sub-Zero de chez Sugar Peel,
De Jeffree Star, donc j'ai pris les deux teintes un peu plus qui sortent un peu plus ordinaires, le Posh Spice qui est un marron et le Scorpio. Voilà, donc d'abord Posh Spice et puis Scorpio. J'ai pris le Glitter Switch de chez Essence, donc c'est un foncé, mais quand vous pressez, il y a les paillettes qui apparaissent. C'est le Glitzy Blue. Oh, je vais les coucher parce que sinon on se casse la gueule. Il se casse la gueule. Donc je vais les coucher, mais je les laisse dans le mémo. J'ai pris le Geradium, je crois, de chez Lime Crime, qui est un rose bien flashy. J'ai sorti un gloss quand même, hein, de chez NYX, qui est le Beautiful. C'est un pailleté. Ensuite, on a le soubrette en NYX lingerie. En NYX lingerie, quoi, de chez NYX, voilà. Et de nouveau, un focalure en teinte Desert Taupe, il me semble. Je ne sais pas lire. Oui, mais ça doit être Desert Taupe, donc qui est de cette gamme-là. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. S'il me sort le Sub-Zero, je me tire une balle. 10 séries. Choisis un numéro entre 1 et 12. Un nombre aléatoire entre 1 et 12 sont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci Siri. Je pense que tous les autres auraient fait moins catastrophique que le Sub-Zero. Ça va être somptueux. Oui, très joli. Ah, l'odeur de ce rouge à lèvres, c'est affreux. Puis avec le contour rose, là, super. Il est beau, hein. Il est super beau. Donc je vais mettre mon mascara et attendre que le rouge à lèvres sèche et je reviens tout de suite vous montrer le carnage final. Je n'ai même pas les mots pour expliquer l'atrocité de la chose. Je ne sais pas ce qui est le pire dans ce make-up. Je ne sais pas. Je pense que c'est la transition bleue quand même. Enfin, l'estompe de la transition en bleu, le rose, qui servait à rien. Limite, ça aurait été l'inverse. Je pense que ça aurait pu passer. Après, de loin, c'est pas horrible. Hein. Mais alors, le rouge, il va pas du tout avec le make-up. Par contre, il est beau. Oh là 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 là. Oh, j'adore ce rouge à lèvres. Splendide. Alors, le coin interne kaki, on n'en parle même pas. Je vous conseille d'éviter. C'est pas une bonne idée. Enfin, donc voilà. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Après, on peut se permettre ce genre de make-up puisqu'on ne sort pas de chez nous. Hein, donc, ça aide. Et j'espère que ça vous aura passé le temps. Que vous aurez un petit peu rigolé quand même. Je sais pas si le rendu est beau ou pas en fait. J'ai pas de mots. Je ne sais pas quoi penser de la chose. Il y a des couleurs qui vont plutôt bien ensemble quand même, je trouve. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez le concours qui est en cours en ce moment, donc je vous mets le lien de la vidéo juste ici dans le petit i, parce que j'ai pas beaucoup de participation, donc c'est comme je disais sur Instagram, et dans la section communauté que personne ne voit non plus. Je ne sais pas si c'est parce que le lot vous plaît pas, ou si c'est parce que l'algorithme de YouTube me fout un peu dans le caca, que le fait que personne n'ait vu la vidéo, mais j'ai 20 participations sur plus de 2000 abonnés, donc je trouve que ça fait vraiment peu. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller partager, aller participer et à partager la vidéo ou le post Instagram pour celles qui me suivent également sur Instagram. C'est juste ici, vous avez une chance supplémentaire de participer sur Instagram et en plus je vous en fais gagner de temps en temps, tous les dimanches déjà notamment, il y a un post bonus. Vous avez aussi la possibilité de gagner des chances supplémentaires en me soutenant sur Utip puisque les 5 personnes qui m'ont le plus soutenu sur Utip pendant la période d'ouverture du concours auront chacune 5 chances supplémentaires pour le concours. Voilà. Sinon, tout est dit dans la vidéo concours qui est dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et donc, on se retrouve mardi. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. On aime bien ou on n'aime pas?
Je sais pas. En plus, avec les cheveux lissés et les lèvres foncées, là, c'est vraiment Morticia Adams. Je crois que j'aime pas du tout. Ah, puis il faut encore ranger.